Bonjour à tous, Nam Karibu Karibu Snack. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des courpions de dinde à la tomate concentrée. Et pour réaliser cette recette, il vous faut des courpions de dinde, des oignons, de l'ail, du gingembre, des pommes de terre, du curry, du cumin, du poivre et du sel. Pour commencer, je vais découper et nettoyer la viande. Je vais enlever toutes les plumes qui restent dessus. Et ensuite, je vais la couper en petits morceaux. Une fois découpé, je vais rajouter une grosse poignée de sel. Ensuite, je vais rajouter de l'eau. Et je vais la malaxer pour bien les laver. Ensuite, je vais les égoutter en la mettant directement dans la casserole. Et je vais la cuire à feu doux environ 45 minutes. Donc, je vais la cuire à feu très doux, environ 45 minutes avec un tout petit peu d'eau. Et pendant ce temps, je vais préparer mes ingrédients. Je pèle les pommes de terre, les oignons, l'ail et le gingembre. Ensuite, je vais les laver et je vais les découper. Donc, je coupe les pommes de terre en dés en essayant de faire des morceaux à peu près de même calibre. J'émince les oignons. Ensuite, je coupe le gingembre et l'ail. Une fois mes ingrédients prêts, je vais les réserver le temps que la viande soit bien cuite. Et c'est important de bien faire cuire la viande pour pouvoir enlever la graisse, parce que sinon elle est trop grasse et elle est écœurante. Donc là, la viande est cuite et comme vous voyez, il n'y a presque pas d'eau, c'est que du gras. Je vais donc enlever la viande du casserole pour pouvoir continuer la préparation de la sauce. Donc j'ai réservé la viande dans un autre récipient et dans la même casserole, je vais faire suer les oignons. Ensuite, je vais rajouter le gingembre et l'ail. Ensuite, les épices. La tomate concentrée. Et je vais le faire bien revenir avant de rajouter la viande. Donc je vais rajouter la viande en faisant gaffe de ne pas rajouter le gras. Après, je rajoute les pommes de terre. Je mélange. Ensuite, je rajoute l'eau et le sel et je laisse cuire jusqu'à ce que les pommes de terre soient bien cuites. Donc, je fais cuire à feu doux pour que ça ne colle pas et s'il faut, je le remue plusieurs fois. Environ 50 minutes après, la sauce a bien réduit et les pommes de terre sont bien cuites. Je vais donc arrêter le feu et passer à table. Et voilà les courpions de dinde accompagnés avec du riz blanc et des cornichons. Je vous dis donc bon appétit et à bientôt sur Karibu Snack.